dans le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a la dominion de Jésus-Christ. C'est au point où je suis arrivé dans ma vie. Que tout, partout où je pars, partout où je marche, partout où je m'amène, je suis dans la position de dominer. Je suis en train de dominer. Pas avec une force qui est à moi, pas avec une force qui est de muscles, mais avec la force de celui qui vit en moi. Parce qu'il est écrit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Jésus-Christ vit en moi. Il est fort. Alors, moi, ma position dans la vie, c'est de marcher et de l'amener. D'amener celui qui est à moi en haut. D'amener celui qui est à moi à un niveau manifesté. Je marche et lui aussi, il est vivant. Je marche, lui aussi, il est vivant. Je marche, lui aussi, il est vivant et vivant en moi. Et il fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Je marche avec celui qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de travailler. C'est lui-là, quand il marchait, même quand c'était les jours de sabbat, même quand c'était un jour où il était refusé de faire le travail, il marchait, il entrait dans un endroit, quand il voyait un blessé, il disait « sois guéri ». Quand il voyait quelqu'un dormi sur un lit là, brisé, blessé, il venait, il disait « lève-toi, prends ton lit et marche ». Ce qui était interdit de faire le jour de sabbat. Mais parce que lui, il était venu ramener l'image. Il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un dans la souffrance. Il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un blessé, quelqu'un brisé. C'est pourquoi il s'est réveillé ce jour-là. Il a vu la dame qui était courbée pendant 18 ans. Elle a été emprisonnée pendant 18 ans par le méchant. Et il a regardé aux gens. Il les a dit, est-ce que il est bien de faire du bien ou de faire, c'est pas bien de faire du bien dans le jour du sabbat. Il a regardé les gens. Ils avaient quoi dire. Il les a dit, ça c'est une fille d'Abraham. Il dit, vous voulez que je la laisse comme ça? Après 18 ans, vous voulez que je laisse cette fille un jour de plus?